Amis téléspectateurs, amis auditeurs, bonjour. C'est pour nous un plaisir de vous inviter à suivre aujourd'hui une émission très spéciale. Certains d'entre vous ne le savez peut-être pas encore, mais l'année 2014 est une année toute particulière pour de nombreux catholiques en Haïti. Elle rappelle la célébration du 150e anniversaire de l'arrivée en Haïti de prêtres, de religieux et de religieuses. Prêtres, religieux et religieuses qui auront marqué par leurs actes la société haïtienne. Aujourd'hui, c'est la première émission et le thème retenu est 1864, année événement. Et pour nous permettre de remettre cette arrivée dans son contexte, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui le Père André Lebarzik, prêtre de Saint-Jacques. Bonjour, cher Père. Bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cette toute première émission. Et bien justement, pour permettre aux téléspectateurs et auditeurs de mieux comprendre cet événement, nous allons poser une question, mais tout à l'heure. Mais je pense que la première démarche est justement de vous présenter à ceux qui nous suivent. Merci. Dans le cadre de ce jubilé, on parle parfois de l'arrivée en Haïti de trois congrégations. C'est vrai pour les sœurs de Cluny, c'est vrai pour les frères de l'instruction chrétienne, c'est pas tout à fait vrai pour les pères de Saint-Jacques, parce que nous n'étions pas et nous ne sommes toujours pas une congrégation religieuse. Alors, pour à la fois situer les choses et me présenter aussi, voilà ce que je dirais. Personnellement, je suis arrivé en Haïti en 1971. J'étais rentré au séminaire de Saint-Jacques en 1958. Et Saint-Jacques n'était pas le séminaire des prêtres de Saint-Jacques, d'un institut, d'une congrégation. C'était le séminaire d'Haïti à Saint-Jacques en France. Il y avait le séminaire interdiocésain à Port-au-Prince. Quand j'ai été ordonné prêtre en 1965, j'ai été affecté par tirage au sort et en principe pour la vie au diocèse du Cap-Haïtien. J'y suis arrivé, on m'a affecté à l'évêché, alors que je pensais aller en paroisse. Monsieur Cousineau m'a demandé d'assurer la formation biblique dans le diocèse et m'a confié la mini-paroisse de Magagnos et de l'Abadie. Quand Mgr Gaillot est arrivé, il m'a demandé le service d'être vicaire général avec Mgr Lima Eugène. Et en 82, j'ai dû partir pour 12 ans en France au service de mon institut comme supérieur général. Mais dès que ça a été terminé, je suis revenu au pays, à l'église de mes amours de jeunesse. Et j'y suis toujours, encore professeur au grand séminaire et en fonction à la maison régionale des pères de Saint-Jacques, à la Fleur du Chêne. Voilà, ça permet de voir qu'un père de Saint-Jacques, c'est dans un diocèse, au service des paroisses. Et nous n'avons pas d'institution propre, même si on en a fondé, mais jamais pour nous, pour les diocèses, immédiatement, parce que les frères et les sœurs, tout ce qu'ils font, c'est aussi pour l'Église. Mais là, c'était dans le cadre précis du diocèse. Hein. Et nous nous sommes mis en institut qui a 50 ans. Pendant 100 ans, nous étions des prêtres diocésains comme les autres, hein, au service d'un diocèse. Tout à fait. Merci donc pour cette mise en contexte, en tout cas, pour les prêtres de Saint-Jacques, ce qui nous permet justement d'emblée de revenir à 1864 et pour permettre justement à nos téléspectateurs et auditeurs de bien comprendre, on va dire, cette célébration, ce 150e anniversaire. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est de vous demander que représente 1864 pour Haïti
Et en fait, en quoi est-elle une année événement? Bon, pour notre groupe missionnaire, on peut dire que c'est un commencement absolu parce qu'avant, nous n'existions pas. Ceux qui sont arrivés en Haïti, un an avant, ils n'imaginaient même pas qu'ils seraient appelés, qu'on leur proposerait d'aller en Haïti. C'est évident que pour l'Église d'Haïti, ce n'est pas un commencement absolu. Hein. Mm-hmm. D'abord, je dirais, parce que c'est ma conviction de foi, le commencement, hein, c'est Jésus-Christ. Hein. On peut même dire que c'est Dieu créant le monde et trouvant que c'est beau. Hein, et ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert Haïti, c'est le regard de Dieu hein, qui a envoyé son esprit qui souffle sur le monde entier. Et peut-être de façon encore plus amoureuse pour ce pays-ci. Hein? Bien. Mais j'aime rappeler cette parole de Grégoire de Nazianze. Il faut aller de commencement en commencement, pas des commencements toujours nouveaux. Alors là, je pense que pour l'Église d'Haïti, l'événement de 1864, ça a marqué quand même, après beaucoup d'autres et avant d'autres qui viendront, ça a marqué quand même un commencement. Mais 1864, pour moi, c'est d'abord un événement dans l'Église hein, et un événement qu'il est possible de situer de façon très concrète du mois d'avril hein, au mois de juin 64. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Hein, le 13 mai... 64, hein, a débarqué du vapeur Rose Marguerite, un jeune archevêque, hein, avec des prêtres, quelques-uns. Mais la plupart étaient déjà arrivés et sur le wharf, il y avait justement son vicaire général, le père Pascal, un spiritain avec des sœurs de Cluny. Il y avait déjà Jean-Marie Guillou avec des frères, et puis une vingtaine de prêtres, de diacres et de jeunes séminaristes non encore ordonnés. Hein, très bien. Qui étaient du clergé d'Haïti. Et le signe, c'est que tous ces gens-là portaient le rabat hein, des prêtres français, gallicans. Ils l'avaient enlevé parce qu'ils arrivaient dans une église, dans un pays qui n'avait rien à voir avec leur église et leur pays d'origine. Ils étaient en Haïti et ça se voyait même sur le costume qu'ils pouvaient les faire prendre pour des jésuites parce qu'il n'y avait pas le rabat gallican. Très bien, Père Lebarzik. Merci pour ces précisions. Eh bien, justement, nous le rappelons pour nos téléspectateurs et auditeurs, nous parlons donc de 1864, qui est l'arrivée en Haïti de deux congrégations, la congrégation des frères de l'instruction chrétienne, la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, mais aussi l'arrivée de prêtres qui allaient devenir plus tard, et vous allez nous le dire, les prêtres de Saint-Jacques. On va en arriver là. Mais toujours pour remettre ceci en contexte, vous n'allez certainement pas me contredire, mais on ne va pas dire que l'arrivée de ces prêtres religieux et religieuses s'est faite par hasard. En fait, elle obéit à un contexte historique assez particulier. Oui, et un contexte qui s'est échelonné sur plusieurs dizaines d'années, parce que là, il faut parler du Concordat. Ça n'a pas été comme ça dans toutes les églises, mais ici, oui. Hein. Depuis l'indépendance, les relations étaient un peu distendues avec le siège de Rome, hein, mais il y avait eu plusieurs essais de concordat, et justement à l'origine de ces négociations, on trouve les pères spiritains. Hein. Il y a eu d'abord le père Tisserand, qui a été envoyé ici avec un statut de préfet apostolique, donc juridiction sur ce pays où il n'y avait pas d'évêque, où il n'y avait plus beaucoup de prêtres. Hein. Les grands ordres qui étaient arrivés ici après Christophe Colomb
n'était plus là. Donc, une situation un petit peu difficile. Et le père Tisserand, qui était un ami du fondateur, le père Liebermann, avait insisté pour qu'on envoie des spiritains dans ce pays. Sa maman était la petite-fille d'un général haïtien. Alors, ça s'est fait comme ça. Il a passé une dizaine d'années avec cinq confrères de 1843 à 1845. Non, ce n'est pas 10 ans. Et on pensait alors que le concordat conclu, la charge de l'église d'Haïti, serait confiée au père spiritain. Alors, en 1860, là, les négociations qui n'avaient pas abouti avec le père Tisserand aboutissent. Et avec une grande figure, le père Pascal, qui, avec Monsieur Monetti, a fini par arriver à conclure un concordat avec le président Geffrard. Et les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça. Il a semblé qu'il valait peut-être mieux, dans un pays indépendant, commencer avec un clergé diocésain séculier. Pour plus de précision pour nos téléspectateurs et auditeurs, lorsque vous dites séculier, non religieux, mais positivement diocésain. Très bien. Oui, la question s'imposait. C'est ça. Parce qu'autrement, c'est un peu négatif. Oui. Bien. Alors, ça s'est passé comme ça, mais c'est le supérieur général des pères spiritains qui a conseillé au Saint-Siège, au pape Pie IX, d'envoyer quelqu'un qui connaissait un petit peu la région ici. Et c'était Martial Tessard du Cosquer, professeur au séminaire de Quimper, et curé fondateur de la paroisse Notre-Dame des Carmes à Brest. Il avait déjà rempli une fonction apostolique à la Guadeloupe à une certaine époque. Et alors, dans un premier temps, on demande à Tessard de venir en Haïti pour négocier des articles additionnels au concordat. Il est venu, ça a marché, et après ça, le supérieur des spiritains a dit ça pourra faire un bon archevêque, il faut lui demander de chercher des prêtres pour venir avec lui. Les spiritains seront toujours là. Oui. Alors ça s'est passé comme ça. Oui. Il a été sacré évêque pour Port-au-Prince à Rome et avant d'arriver, il a pris du temps avant d'arriver parce qu'il fallait quand même qu'il trouve des collaborateurs. Tout à fait, tout à fait. Il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Et là, ça va être une grande démarche de ce premier évêque nommé de Port-au-Prince, Mgr Tessard du Cosquer, qui avait donc la responsabilité eh bien, de doter, à partir de ce concordat signé, l'Église d'Haïti eh bien, de prêtres au niveau des diocèses. Ben oui, parce que depuis le XVIe siècle, Alexandre VI, le pape Alexandre VI, plus précisément le pape Jules II, on avait déjà créé trois diocèses. Pour le nord, le sud et le centre. Mais on n'avait pas nommé d'évêque. Les premiers évêques sont arrivés 3 siècles et demi après. Alors, oui, il fallait trouver des prêtres et justement diocésains qui travailleraient avec des religieux et des religieuses. Et ça s'est fait, je dirais, assez vite et assez bien. Et on est même surpris, justement, de l'ampleur et de la rapidité des réponses faites à l'appel du Saint-Siège, à l'appel du Bienheureux Pie IX. Très vite, oui, quand Tessard arrive, il y en avait une trentaine sur le quai, religieux, religieuses, prêtres et séminaristes. Alors qu'il venait dans un pays nouvellement indépendant, ancienne colonie française, une toute jeune république à construire. On est, comme vous le dites, on est plutôt surpris de cette réponse. Ben oui, parce que je pense que parmi ceux qui sont là, il y en a qui, l'année précédente, confondaient encore Haïti et Tahiti. Moi, j'ai connu ça quand je suis revenu en congé. On m'a dit, ah oui, il paraît que tu arrives de Tahiti. Non, je n'ai pas ça. Mais c'est un peu ça, c'est imprévu, ça, et inattendu.
Et alors, il faut ajouter quelque chose, parce que Mgr Testard n'est pas resté longtemps en Haïti. Il a été déclaré persona non grata par le gouvernement. Et ça s'est assez mal passé vers la fin. Mais heureusement que dès le départ, il était accompagné de quelqu'un qui avait refusé d'être archevêque de Port-au-Prince, qui avait refusé plusieurs sièges épiscopaux et qui avait fini par accepter quand Mgr Testard était venu à Pleurmel pour lui demander de venir comme vicaire général. Hein, c'était Alexis Jean-Marie Guillou, qui était un ami du fondateur des Frères, Jean-Marie de Lamennais, et qui était le délégué de l'évêque auprès des Frères. C'était le Jeudi Saint. Oui. Et Mgr Guillou, là aussi, sur la suggestion des pères du Saint-Esprit qui connaissaient bien Guillou et qui connaissaient très bien Lamennais aussi, tout ça. C'est tout un ensemble de gens qui se sont connus, de congrégations qui sont nées à peu près à la même époque et qui communiquaient entre eux, c'est bien. Et Guillou est donc arrivé quelques semaines après, le Jeudi Saint, Testard vient le voir, et au mois d'avril, il était déjà ici. Tout à fait. Avec des frères. Donc là, nous avons déjà deux présents en Haïti, deux personnages centraux, va dire, dans l'établissement, le développement de l'Église chrétienne catholique d'Haïti, et qui vont se mettre aussi à faire un travail immense, qui est le travail d'évangélisation, qui est d'aller à la rencontre de ces diocèses, de voir comment ils fonctionnent. Et là, nous parlons des années 1800, et c'est vraiment se rendre dans des villes à dos de cheval, enfin. Vous allez nous raconter ça. Oui, alors on a une chance, c'est que dans les 6 mois après leur arrivée, Testard du Cosquer et Guillou sont partis en tournée pastorale jusqu'à Jérémie. Entre-temps, Guillou était devenu vicaire général parce que ça ne s'est pas trop bien passé entre Testard et le père Pascal. Les deux avaient un caractère un petit peu difficile. Guillou était peut-être plus souple. Enfin, voilà Guillou, avec son archevêque, qui vont jusqu'à Jérémie. Et ça a duré plusieurs mois, leur tournée. Alors, la tournée, elle s'est faite en bateau, en voiture attelée, en canotte, et puis aussi à cheval. Mm-hmm. Alors, ce n'était pas la même chose pour les deux. Parce que Testard, c'était quand même un aristocrate, il avait fait du cheval depuis son enfance, un fringant. Tandis que Guillou n'a jamais été à l'aise sur une selle. Mais il a passé tout son épiscopat à Port-au-Prince à circuler dans tout le pays. Parce qu'au départ, Testard est le seul évêque pour les 5 diocèses qui ont été créés au départ. Il y en avait 3. À Pinneuf en a mis 5. Mais il y a eu des titulaires qui ont été nommés au fur et à mesure. Au départ, il y a l'archevêque et son vicaire général. Et le vicaire général a tenu un journal qui n'a jamais été publié, je pense, que j'ai lu, moi, en manuscrit, où il dit ce qu'il a vécu, et il l'adresse à un de ses amis, Constant Hillion, qui viendra en Haïti, qui sera même son successeur, Mgr Hillion, premier évêque du Cap, deuxième archevêque de Port-au-Prince. Et alors, le récit est intéressant parce que il y a de l'enthousiasme là-dedans. On a l'impression que Mgr Guillou, qui est un intellectuel et un ascète, ne pouvait pas être un poète et un homme aussi sensible, en fin de compte, si, il est extrêmement sensible. Cet homme a été séduit par ce pays. Et je crois qu'on vient en Haïti, c'est après un coup de foot. Il y a un virus. Si je suis encore ici, ça m'a pris à 18 ans quand même. Alors que, on prévoyait que j'aurais eu un autre itinéraire. Le bon Dieu fait bien les choses parce que je suis ici heureux de l'être. Pour Guillaume, avec tout le respect que je lui dois, c'est...
C'est un petit peu aussi comme ça que ça s'est passé. Il y a une séduction et qui a duré. Alors, ce qui me paraît important, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas arrivés en terrain conquis. Ils savaient très bien que même s'il n'y avait pas d'évêque, il y avait des chrétiens dans ce pays depuis le XVIe siècle. Tout à fait. Ce n'est pas comme en Afrique. Non, ce n'est pas du tout la même situation. Et alors, ils sont passés un petit peu partout. Ils ont vu des choses un petit peu douloureuses. Mais en même temps, c'est l'espérance qui l'emportait. Vous dites qu'ils ont vu des choses douloureuses par rapport au fait, par exemple, que de 1804 à 1864, l'Église était un peu abandonnée à elle-même, quoi. Oui, deux choses. Il y avait 77 paroisses et à peine 30 prêtres, dont certains étaient en situation, bon, un petit peu ambiguë, parfois même anormale, mais je ne rentre pas là-dedans, on n'a pas à juger ça. D'ailleurs, Guillou et Testard ont eu à gérer des situations difficiles, mais ils parlent surtout des prêtres honnêtes et généreux qu'ils ont rencontrés, comme un vieux curé corse, là, qui s'appelait l'abbé Torracinta, curé de Corail, et dit, lorsqu'on a dit à ce bon vieillard qu'il allait recevoir la visite de son archeval, de son archevêque, il a rajeuni de 20 ans. Oui. Ils ont été reçus magnifiquement partout. Et pourtant, dans certaines paroisses, tout était en ruine. À Miragoâne, oui, une ruine, mais en même temps, sachant que l'archevêque arrivait, les gens avaient déjà rassemblé des matériaux devant l'ancienne église. À Aquin, le culte se faisait dans une maison de location. Et à Vieux-Bourg, c'était un petit peu la même chose. Mais très vite, il y a eu des églises qui ont été restaurées, bâties. Et très vite aussi, et ça, il faut le souligner, dans les campagnes, il y a eu une multiplication rapide de chapelles rurales. Et ça, c'est peut-être un peu spécifique d'Haïti. On dit souvent que les prêtres sont restés dans les villes, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que y a des paroisses qui très vite se sont retrouvées avec 15 chapelles et avec des responsables laïcs qui tenaient la route. Donc il y a eu aussi, d'un côté, cet enthousiasme des prêtres d'Europe à répondre à cet appel du Saint-Siège. Et il y a eu aussi cette appropriation, selon ce que j'ai compris, des fidèles d'Haïti à recevoir ces prêtres qui allaient fonder avec eux ou redynamiser avec eux l'Église d'Haïti. Oui, redynamiser, oui, ce qui veut dire qu'il y avait un dynamisme quand même. Parce qu'on n'a pas remis le feu. Il y avait des flammes et au moins encore des charbons ardents. Oui. Par exemple, nous Jérémie, sommes 60 ans après l'indépendance. Oui, 60 ans après. À Jérémie, il y a des jeunes qui sont venus présenter à l'archevêque les statuts d'une association de solidarité qu'ils venaient de créer. Oui. Et quand Testard et Guillou ont dû rentrer à Port-au-Prince parce qu'il y avait un incendie à Port-au-Prince, les gens dans Savo ont remis 1000 gourdes. Attention, ça valait 4000 francs or pour les sinistrés de Port-au-Prince. Et Guillou disait carrément, on voit bien qu'il y a eu ici une continuité dans la vie chrétienne. C'est ça. Et bon, on a parlé de prélats, mais quand même, il y a tous ces prêtres qui sont arrivés. Et certains très jeunes, il y en a qui sont arrivés ici à 23 ans, qui n'étaient pas prêtres. Donc, certains sont morts dans l'année de leur arrivée. C'est ça. D'où la prochaine question, cher Père Le Barzic. Il y a eu donc cet enthousiasme à venir en Haïti, mais tout en sachant très bien, parce que je suppose aussi que ce n'est pas l'époque des grandes télécommunications, mais je suppose aussi que la nouvelle arrivait, que Haïti était quand même une terre de mission assez
difficile ou risqué par rapport au changement de climat, par rapport aux maladies auxquelles ils n'étaient peut-être pas habitués. Il y a la fièvre jaune, donc il y a aussi cet aspect dont il faut peut-être souligner, qu'il faut peut-être souligner. Oui, ils le savaient. Ils le savaient. Hein? Ils le savaient, ou en tout cas, ils l'ont su très vite. Moi, je suis revenu un petit peu sur les notices biographiques des prêtres arrivés dans les 10 premières années, 64 à 74. Il est arrivé 125 prêtres. Après 20 ans, il en est arrivé 250. Mais il n'en restait que 100. Ah. Plus de la moitié mouraient, hein, ou devaient partir gravement malades, et souvent en arrivant en Europe, ils mouraient. Certains mouraient dans, justement, comme je viens de dire, dans l'année de leur arrivée. Et il y a en particulier un jeune prêtre là qui écrivait à son ami, hein, qui lui disait: bon, ben moi je pars, le médecin m'a dit, là, j'en ai plus 8 jours, alors toi tu viens et amène d'autres avec toi. Ils invitaient même. Oui, 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 carrément, oui. Parce que moi je pars, il savait, il est mort 8 jours après. Oui. Un autre qui disait à son curé, Monsieur Pouplard, il y a toujours la rue Pouplard, un Port-au-Prince, il lui disait: mon père, Monseigneur l'archevêque est en tournée pastorale, quand il reviendra, vous voudrez bien m'excuser auprès de lui, je ne serai plus là. J'aurais voulu passer quelques années au service de l'Église d'Haïti, mais je donne ma vie, hein, en sacrifice pour le bien de la mission. Alors on pourra dire, mais c'était des anormaux. Hein. Oui. Moi, j'ai lu beaucoup de lettres de ces jeunes-là parce qu'ils écrivaient à leurs amis, ils écrivaient à leur famille, et on a tout ça, on peut le lire. Hein. Y a rien de morbide. Hein. Oui. Il n'y a rien de romantique. Tout simplement, il y a eu un appel, ils répondent, et aujourd'hui, c'est encore comme ça. Hein. Il y a un appel qui est envoyé par le même, pas forcément le pape, mais par le Christ, certainement, à le suivre. Il y a quelque chose que, jusqu'à présent, on n'a pas retiré de l'Évangile, celui qui vient derrière moi, hein, marche à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On n'a pas trouvé encore de traduction édulcorante. C'était comme ça pour eux hier, et c'est encore d'une autre façon, dans un autre contexte, c'est comme ça pour nous aujourd'hui. Monseigneur Conan, c'était un petit peu plus tard, qui a été le troisième archevêque de Port-au-Prince, ou quatrième, je ne sais plus, disait à ses prêtres, hein, au vœu de Noël: depuis le début de l'année, nous avons perdu 15 prêtres. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, nous avons perdu 15 prêtres. Au cours de cette année, hein, le supérieur du séminaire de Saint-Jacques en France a dit aux séminaristes: eh bien, écoutez, bon, vous êtes libre de retourner chez votre papa et chez votre maman, hein, parce que ici, c'est comme dans la Bible, hein, Gédéon qui a dit à ses soldats, mm-hmm, hein, que ceux qui ne veulent pas continuer, eh bien, qu'ils laissent. Parce que vous savez ce qui peut arriver. Hein. Le supérieur a dit ça aux séminaristes. Ils sont tous restés. Ils sont tous restés. Depuis, il y en a 16 qui sont arrivés et il y en a déjà 3 qui sont morts. Ah, oui. Donc, c'était une réalité. Oui, c'est une réalité. C'était la réalité d'Haïti. Par rapport justement à ces jeunes venus d'Europe, oui, et qui devaient s'acclimater et qui devaient, en fait, mais qui n'ont pas renoncé. C'était la fièvre jaune. C'était la fièvre jaune. Après ça, on a eu des gens qui ont duré dans le pays. Monseigneur Jean, évêque du Cap, est mort à 96 ans. Hein? Le mais père Jean-Marie Loret, oui, que j'ai bien connu, hein, au Cap, un original, hein, il est arrivé à 23 ans et il est mort à 96 ou quelque chose comme ça. Réalité quand même qui posait une problématique en fait au nouveau responsable de l'Église d'Haïti, de l'Église catholique d'Haïti. Les besoins se faisaient sentir de plus en plus. Il fallait encore plus, on va dire, d'artisans à l'ouvrage. Et ces responsables se trouvaient dans la situation
eh bien, de toujours avoir à chercher, à solliciter des prêtres d'Europe parmi leurs amis, etc. Mais je pense qu'ils ont quand même pensé on ne va pas dire à une solution, mais qu'ils sont venus avec une idée justement pour permettre à l'Église d'Haïti de prendre son élan par elle-même. Oui, dès le début et avant même l'arrivée de Tessa du Cosquer. C'est vrai qu'on ne pouvait pas continuellement appeler des gens qui étaient des curés, des vicaires, des professeurs dans leur diocèse, qu'on connaissait en disant « mais tu viens ». Oui. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont venus, ils ne s'attendaient pas à cette invitation-là. Et puis, ce n'étaient pas tous forcément des jeunes. Et puis, il y en avait qui avaient des fonctions importantes dans leur diocèse. J'ai parlé d'Ilion, Constant Ilion, qui est arrivé ici, et était quand même vicaire général de Vannes, recteur de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, supérieur du petit séminaire. Et puis, quand il a dit, « Bon, ben, il y a Alexis qui m'appelle, Monseigneur, vous me laissez aller, eh ben, vas-y donc. Hein? » Oui. Et d'autres étaient dans ces situations-là. Hein? Mais avant de rentrer en Haïti, Tessa du Cosquer, qui était en rapport, bien sûr, il savait bien l'avait présenté au Saint-Siège pour être archevêque de Port-au-Prince, c'était les Spiritains. Il va à la rue Lomont, hein, à Paris, et là, il demande aux Spiritains de créer une annexe à le séminaire qui préparait des prêtres pour les colonies. On disait même le séminaire colonial. Enfin, il connaissait les Antilles et c'était la raison. Il dit, mais attention, c'est pas la même chose. Oui. Il faudra faire une annexe, un séminaire à part pour former les jeunes qui viendront en Haïti. Pays indépendant, pas une colonie. C'est ça. Hein? Bon, c'était le premier séminaire Saint-Martial. Hein? Et quand j'ai visité cette maison, le provincial était là, je lui ai dit, tu veux me montrer le séminaire Saint-Martial? Il me dit, bah, va à la fenêtre, c'est en face. Donc, pour nos auditeurs et téléspectateurs, Monseigneur Tessa du Cosquer a bien demandé de mettre sur pied un séminaire pour Haïti. Oui, Martial, Saint-Martial. C'est ça. Mais avant de partir, il a envoyé l'abbé Dégérine, qui est un universitaire, fonder un petit séminaire. Ici. À Pétionville. À Pétionville. Hein, il est descendu en ville parce que là, il était un peu sur la trajectoire des armées à l'époque, Geffrard, Salmave et puis tout ça, là. Hein, c'est un petit peu dangereux de se trouver là où ils avaient installé le petit séminaire. Ils sont descendus. Par la suite, le petit séminaire a été confié au père spiritain. Mais au départ, c'est un petit séminaire diocésain. Hein. Et on l'appelle toujours petit séminaire collège Saint-Martial. C'est exact. Hein. Bon, après ça, mais alors ce n'est pas le lieu d'en parler ici, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été plus rapide, l'arrivée du clergé haïtien. Mais quand même, en 71, Jean-Marie Guillou a créé le bulletin diocésain de Port-au-Prince. En 71, dans le bulletin religieux d'Haïti, il publie la statistique du clergé des paroisses. Avec pour grand total, je le cite, population d'Haïti, 925 000 habitants, environ 66 paroisses, mais à ce moment-là, il y a un prêtre dans chaque paroisse. Et si on reprend la liste qu'il fournit, on compte qu'au bout de 7 ans, il reste 6 prêtres d'avant le Concordat, qui ont été maintenus. Oui. On n'a pas déchouqué tous les autres. Oui. Deux jeunes prêtres haïtiens, Père Bogé, qui est devenu Monsieur Bogé, Père Sainté. Hein? 8 pères spiritains. Mm-hmm. Hein? Les spiritains n'ont pas boudé. Hein? Le Père Pascal, mon Dieu, a dû aller à Saltrou. Ce n'était vraiment pas pourtant la paroisse où l'expédier. Il y a des spiritains qui sont arrivés. Alors sont arrivés les Montfortins et plus tard les Sœurs de la Sagesse. Les autres congrégations, ça viendra quand même un peu plus tard. Et sur la centaine des prêtres séculiers arrivés depuis 1864, il en restait juste 47. Sur plus de 300. Sur plus de 300. Bon, enfin, ça, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Donc, en tout cas, nous avons quand même pu
retracer assez rapidement le contexte de l'arrivée de ces prêtres religieux et religieuses en Haïti en 1864 et les premières années, les premiers, on va dire, fondements même de cette Église catholique d'Haïti. Mais avant de terminer, je sais que le temps fait défaut, mais s'il fallait dire ce que 1864 a apporté à l'Église d'Haïti, vous auriez dit quoi? Je dirais rien, c'est pas moi de le dire. Oui. Ce sont aux Haïtiens, aux évêques d'Haïti, mm-hmm. hein, et aux prêtres. Mm-hmm. On m'a parfois demandé d'écrire davantage, je ne le ferai pas. Oui. C'est pas moi de le faire. Oui, c'est, hein? C'est... Bon, quand on m'y invite, je m'exprime où j'écris. Mais enfin, je pense que... Bon, ceux qui sont arrivés avec un regard de foi. Je pense que notre histoire, il faut aussi la regarder avec un regard de foi. Un regard de foi, c'est ça. Eh bien, merci. Ça sera mon dernier mot. Ce sera votre dernier mot. Merci, merci beaucoup, Père André Lebarzyk, d'avoir pris ce temps pour mettre en contexte, justement, ce jubilé, ce 150e anniversaire d'arrivée de prêtres et de religieux et de religieuses dans notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, amis téléspectateurs et auditeurs. C'était donc la première émission d'une série de 4 qui va donc retracer, on peut dire ainsi, le cheminement, le parcours et l'impact de ces prêtres religieux et religieuses venus en Haïti en 1864. Merci de votre attention et à très bientôt.